our 12 points go to... Nos 12 points. The 12 points. 12 points. Go to... Go to... Go to... En route pour le Seigneur. À la question « Qui est pour toi la personne la plus gentille sur Terre ?», j'aurais toujours répondu « Ma maman » en premier lieu. Et puis voilà, j'ai rencontré Élodie Gossuin dans les couloirs de la scène musicale et je dois bien vous dire que elle challenge assez aisément ma maman. Alors vous allez voir, la rencontre est très courte, il n'y a que deux questions, c'est express dans le rush de la préparation du junior, mais j'ai quand même décidé de vous les partager. Les voici. Bonjour, je m'appelle Thomas, on est du podcast 12 points et on voudrait déjà vous féliciter d'avoir animé cette première répétition qu'on a eu l'occasion de voir. Et quel show, quel show, quel show. Franchement, ça s'annonce extraordinaire. Comment vous vous sentez Je le sens comme tel, comme extraordinaire. De par évidemment les prestations de nos candidats qui sont incroyables. C'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie leur âge en fait. Je trouve ça admirable de faire preuve d'autant d'assurance, d'avoir fait preuve d'abnégation, de courage, de répétition, de travail pendant des semaines et des semaines pour préparer ce show. Je trouve ça admirable. Je vois très bien leur cohésion aussi en coulisses. Je trouve que ce qui me fascine, c'est la dimension humaine de l'Eurovision. Je le dis, je le répète, mais c'est vrai et familial. Je crois que quelqu'un qui goûte à l'Eurovision, qui découvre l'Eurovision, ne peut plus jamais quitter l'Eurovision. C'est vrai que c'est une famille dans laquelle d'ailleurs vous appartenez quelque part. On vous le redit souvent, mais je sais que vous en faites maintenant votre part de ce gimmick. Je suis très fière de faire partie de cette famille de l'Eurovision, même si effectivement tout le monde me rappelle toujours « Youhou !» Mais je me dis qu'il y a une histoire aussi qui était écrite et que finalement, c'est grâce à cela, ça m'a permis d'être adoptée par vous. Voilà, mon cadeau de Noël est là aujourd'hui, que d'être à vos côtés, de présenter ce show. C'est vrai, véritablement, je n'aurais jamais pu oser le rêver et l'espérer. Donc merci du fond du cœur, justement, d'avoir soutenu même un You ridicule. Merci du fond du cœur. On vous souhaite le meilleur. Rendez-vous du coup dimanche à 16h sur France 2. Merci Élodie, puis bon courage pour cette présentation Et bienvenue qui s'annonce à Paris. Extraordinaire. Merci, bienvenue à toute l'Europe. Bienvenue chez nous. Ah, je vous avais prévenu, c'est l'interview la plus courte du monde, mais franchement, on boude pas son plaisir quand on est au micro avec Élodie Gossuin. Mais mon petit doigt me dit d'ailleurs, il se peut qu'elle revienne très prochainement dans 12 points. En attendant, n'hésitez pas à réécouter tous nos épisodes et surtout à regarder l'Eurovision Junior ce dimanche. À bientôt!